Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec vous aussi. La paix soit avec vous. Par cette salutation, Jésus, disciple de la paix, l'incrédulité et les deux courageusement des disciples effrayés. Il s'agit de la paix qui est le don de la résurrection de Jésus-Christ, qu'il a gagné au prix de son sang et qu'il communique à ceux qui ont confiance en lui. Jésus, j'ai confiance en toi. Ces mots résument la foi du chrétien, qui est la foi en la puissance de l'amour miséricordieux de Dieu. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu tout-puissant Thank you.
Suranime la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sentir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Luc. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retournée, j'ai vu sept chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant : Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Parole du Seigneur.
C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et en ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara : Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas : Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la de mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux que tu crois sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Jésus leur offre sa paix comme un don si précieux
paix soit avec vous, la paix soit avec vous, dit-il par trois fois dans notre évangile. Ce salut israélite traditionnel revêt ici une portée quasi trinitaire. À ces hommes qui l'ont abandonné par tristesse et désespoir, Jésus apporte l'apaisement de sa présence et de son pardon. Ici, aucun mot de reproche, aucune allusion à leur défection et à la solitude où ils l'ont laissé. Pour le reconnaître, pour croire en lui, frères et sœurs, nous devons d'abord demander et recevoir cette paix que nous offre le ressuscité, et non pas rester enfermés dans nos peurs et nos frustrations. Mais pour se faire reconnaître, Jésus donne à ses disciples des signes, car lors de ses différentes apparitions, ils ne le reconnaissent pas immédiatement à son aspect. Comment comprendre que les yeux de chair de ses disciples ne reconnaissent pas le corps de Jésus ressuscité? Les évangélistes nous signifient ainsi que la mort de Jésus n'a pas altéré son humanité, mais que sa résurrection l'a transformée, l'a transfigurée, au point qu'il n'est désormais reconnaissable qu'au regard de la foi. Jésus ressuscité mange et boit avec les siens pour leur montrer qu'il n'est pas un pur esprit, mais qu'il est bien là présent avec eux en chair et en os. Et pourtant, il ne se laisse ultimement reconnaître au geste de la fraction du pain et au plaid de sa passion, signe tangible de sa mission rédemptrice. C'est par les stigmates de sa mort qu'il se fait reconnaître vivant. À la fin du récit de la passion, le soldat qui perça le côté du Christ a vu, et il rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Au matin de la résurrection, Jean a vu un tombeau vide d'une absence, et il a cru. Ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, le Verbe, la parole de la vie, nous vous l'annonçons pour que vous soyez aussi en communion avec nous. Écrit-il dans sa première épître. Chez ces grands témoins du Christ, la foi surgit de la vision, de la vue de signes ou du Christ en personne. Elle opère un passage du voir au croire. Frères et sœurs, nous qui n'avons pas vu ou ne voyons pas, sommes-nous alors désavantagés par rapport aux premiers disciples du Christ? L'incrédulité de Thomas peut dans un sens nous réconforter, car elle rejoint notre incrédulité et elle nous pousse ainsi à approfondir notre foi, à demander au Seigneur des signes intérieurs de l'Esprit Saint que nous ne voyons pas la plupart du temps, mais qui nous sont pourtant bien donnés par le Seigneur. La foi naît aussi, bien sûr, de ce que l'on entend. Fides ex auditum, dit saint Paul aux Romains, de cette confiance que nous accordons aux témoins du ressuscité, aux apôtres et à leurs successeurs. Et ce que l'on entend, poursuit saint Paul, c'est la parole du Christ. Ainsi, Marie-Madeleine au tombeau reconnaît-elle Jésus ressuscité à sa parole lorsqu'il prononce son nom. Thomas, dans son besoin de preuves tangibles, nous invite à passer par le creuset du doute et ainsi à purifier notre foi. Alors avec lui, nous pouvons prononcer cette magnifique confession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu », qui résonne comme la confession la plus éclatante en la divinité du Christ. Cette confession est avant tout un don de Dieu, fruit de la résurrection du Seigneur, une révélation que Dieu nous fait si nous lui ouvrons notre cœur. Avec Thomas, approchons-nous de Jésus. Laissons le Christ nous réconforter, nous pauvres croyants, dans nos doutes et nos épreuves, avec cette unique béatitude de l'évangile de saint Jean. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et posons notre main dans le côté ouvert de Jésus pour recevoir les dons infinis de sa miséricorde. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
peur du monde et de la modernité, afin qu'ils deviennent au cœur du monde témoins de la bonne nouvelle de ta résurrection. Envoie ton esprit, Seigneur. Surtout nos contemporains, abreuvés de fausses nouvelles et d'images trafiquées, qui ne croient même plus en ce qu'ils voient, afin qu'ils réapprennent la confiance en la parole de l'autre, envoie ton esprit, Seigneur. Sur les citoyens français, afin de guider leur choix en ce jour d'élection, envoie ton esprit de sagesse et de discernement, Seigneur. Qu'ils retrouvent la joie de vivre, envoie ton esprit, Seigneur. Sur nous tous, qui ne pouvons voir le corps ressuscité de ton Fils que sous l'humble espèce du pain partagé, afin que notre communion à ce sacrement fasse grandir en nous la foi en la résurrection, envoie ton esprit, Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui connais toutes les pensées des hommes, tu sais mieux que nous ce dont nous avons besoin. Envoie sur nous ton esprit, qu'il vienne renouveler la face de la terre
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père puissant. Que le Seigneur reçoive son nom dans son sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre âme et celui de notre vie. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait élever. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la raison. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans les cieux chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde,
Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre
Le Seigneur soit avec vous.